それだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。ふぅ、カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。ははは、悪い悪い。なっ、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど似てんな。けんどよ、セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから木がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。おい、ザーフルクリラン、おろ、やっぱりタイム。クリリンじゃないか。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、セルの相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル、絶対許さない。しらじらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。おら、おい、ドゥスパーカーメム、クリラン。私を倒すだと思う。18号以下の力しかない、お前が。Il a déjà eu la réflexion par Goku, quoi. お前の勝手が相手じゃねえ。Ah ouais. Ah, il a pas le time, クリラン. Ouais, mais détends-toi quand même. Ah. Ok. Bon, enfin bon, ouais. Ouais, bon. bon,
Bah, il semblerait que Krillin soit un petit peu zehef. Oh, par contre, ah oui, bah, je l'ai pas dans ma team. Oh, ça fait un peu court, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire sans, tant pis, on va faire genre il était là quand même. Mais... Et on a pu voir le petit personnage C21 d'ailleurs qui a fait sa première apparition. J'ai hâte de voir le rôle qu'il va, enfin, qu'elle va donner. Allez, c'est parti du coup. Ouais, bon, il y a des petits combos à faire. On s'en fout un petit peu. Si on peut le faire, on le fait. Si on peut pas le faire, on le fait pas. Donc ça a été facile. Et c'est quoi après? En arrière, hop, ça c'est fait. Allez, donne-moi les autres trucs. En bas, en haut. C'est good. En haut. Voilà. Oh, par contre, détends-toi. Et bah, l'ennemi pour finir, c'est parti. On peut lui déchirer la gueule. Let's go. Bon, c'est un peu relou quand même, le didacticiel. Mais bon, des fois, si je peux le faire, comme j'ai dit, je le fais. Là, c'était quand même assez simple. Allez, le petit camion qui est passé. Allez, viens là, Yamcha. Yes, ça. Oh là, Yamcha, il est plutôt plaisant, les amis. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Ça fait plaisir de voir Yamcha comme ça. Ben, un jeu. Parce que c'est vrai que dans... quand c'est comme ça, dans les jeux, les persos dans Dragon Ball, la plupart du temps, ils sont. Comment dire. Bah, ils sont plutôt faibles quoi quand c'est Yamcha, Tenchinan, Krillin. Et là, ça fait plaisir de voir que bah tu peux prendre n'importe quel perso. Bah, si t'as du skill, tu peux y arriver quoi, tout simplement. お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時に、せいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？しまった！クソ！逃げられたか。気を感じねえ。 探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ。 助かりました。お二人とも、とても強いんですね。まさか、波動の影響下で、あそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？もしよかったら、18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には、絶対に亀ハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。 実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。 18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。 私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが、軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。 18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも、 途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍を辞めようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです。レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。 ちなみに、レッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かりますよね。できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません。基地の正確な場所は分からないんです。何せ
逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。Allez, du coup, on est reparti pour l'épisode 3, les amis, chapitre 5. Donc, il semblerait qu'on ait encore d'autres didacticiels à faire et le boss serait encore celle, comme on le voit à l'écran. Ensuite, il y aurait un didacticiel avec Tenshin Han, donc je sais pas, je pense pas qu'on va le faire. Ensuite, ah, il y aurait un sauvetage. Et ce serait pour Boubou, très bien. Ensuite, on sera obligé de passer par Yamcha pour ceci. Là, on a un petit combat avec Ginyu. Ouais, on va passer par Yamcha. Et bah ouais, on va passer par la même chose et sans plus attendre, on est parti, let's go. Odoroitana, masaka ore no clone made iru nante. Te koto wa Red Ribbon gun wa ore no koto senjou. Il se la pète trop lui, c'est un délire. Ikan, chotto yorokonde shimatta. Saikin shugyou shite nakatta shi.気を引き締めないとやばいよな。ここでクローに負けたらシャレにならないし。ま、自分のクローンが相手なら遠慮なく戦えるぜ。こいつを倒して俺もまだまだやれるってこと証明してやる。Ok, donc on est parti contre ces fameux clones, le clone de Yamcha, de Capitaine Ginyu et le clone de Cell. On va voir qu'est-ce que ça va donner, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Je ne sais pas, je pense pas, enfin j'espère pas en tout cas qu'il y ait un didacticiel. Ce serait bien. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Ok, donc on a un didacticiel, ouais. Ouais, on s'en fout un petit peu. Vous savez quoi? On s'en fout un petit peu. On va l'éviter celui-ci. C'est parti. Viens là. Oh, l'enfoiré. Allez, viens là. Petit coucou là. Vas-y, fais-lui la peau à ce fameux clone de Yamcha. Oh, j'aurais dû peut-être prendre Yamcha, tiens. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va le prendre après. Mais putain, viens là, toi. Hop. Ah bah, je l'ai fait. Très bien. J'ai même pas fait exprès. J'ai fait le. Comment? La récupération. Ok, nice. Le petit caméra qui est passé. Yamcha qui est KO. Alors, le capitaine Ginyu, ça c'est quoi? Déplace-toi en faisant carré. Ouais, je sais pas si. Oh bah tiens, hop, ça c'est fait. Nickel. Hop, allez, reviens là. Oh là là, l'attaque ultime qui est passée, ça fait plaisir, le petit Kamehameha. Oh putain, l'enfoiré, reviens là toi. Hop là, on a réussi en même temps à faire le petit didacticiel. Alors là, c'est flèche de gauche avant de toucher le sol. Ok, on va faire ça, si on est en l'air. Let's go, let's go. Yes. Flèche de droite, pardon. Putain, j'ai regardé juste avant, je me suis dit, oh, je comprends ma droite et ma gauche, moi. Là, c'est flèche du bas. Allez, allez, yes. Bon, j'étais pas vraiment en l'air, mais bon, c'est pas grave. Allez, let's go. Avec le petit Yamcha. Ça, ça va faire plaisir, ça. En plus, je dois battre l'ennemi. Allez, let's go, let's go. Franchement, il est plaisant, hein. Je peux vous mytho, il est plaisant, le petit Yamcha. Allez, viens là, celle. Oh oui, ça, ça fait plaisir. Oh là là. Franchement, hein, je suis un peu surpris. Hein, je pensais pas qu'il fait autant Yamcha. La petite attaque ultime qui passe quand même. Oh, l'attaque du loup. Oh yeah. Ça, ça fait plaisir. KO, les amis. Eh oui, il est plaisant, le petit Yamcha. Il est plaisant. Mission accomplie. Finished. Ok, donc. Oula, c'est quoi ça? Warning. What? What the fuck? Un clone de Bou enfant destructeur de la planète est apparu. Il a pris un espace ennemi et absorbe cet ennemi, pour passer au niveau supérieur. Tu remportes une tonne d'XP si tu vins ce puissant ennemi. Affronte-le si tu t'en sens capable. Ok, donc est-ce que je m'en sens capable? Mais t'inquiète pas, je vais te montrer mon poteau. Mais d'abord, je vais aller sauver le Boubou et j'arrive. Let's go. この前のペーパーテストの時と同じみてえだな。
それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわ、悟空、またクローンが現れやがった。Il est pas content, hein, le clone de Goku, hein, il avait une sale tête, hein, mon pote. Franchement, ça fait bizarre, on dirait des zombies, les clones, ça fait... C'est drôle, hein, c'est drôle. Enfin, bref. Allez, du coup, on va à la rescousse de ce fameux boubou. De base, je croyais que c'était Trunks qu'on allait sauver, pardon, parce qu'en fait, je voyais Trunks sur l'icône dans la map, donc c'est pour ça. Bon, enfin, bref. On est pas là pour raconter sa vie, c'est pour DBZ, let's go. Avec Son Goku, on va te défoncer la gueule, mon petit Trunks. Yeah. Oh oui, le petit changement à Kiyamcha, ça fait plaisir. J'ai toujours tendance à faire ça, en fait. À chaque fois, je vais envoyer un ennemi dans les airs. Et ben après, je vais toujours enchaîner avec un changement, quoi. Ah, il est déjà KO. Putain, j'ai même pas fait exprès. Le truc, j'ai mis très carré. Allez, let's go, let's go. Le petit Vegeta. On voit prendre Tenchinhan. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il va donner Tenchinhan. J'ai pas trop testé encore Tenchinhan. Ah, lui, c'est pareil, hein, franchement. Il a l'air d'avoir des sacrées techniques, hein. Oh là là. Putain, le petit Vegeta, par contre, calme-toi. Mais ça qui est bien, c'est qu'ils ont des combos et surtout les techniques propres à leur personnage, en fait. Comme là, le Todonpo. Je crois que ça s'appelle comme ça, si je me souviens bien. Putain, je vais faire insulter. T'sais. Hop là, KO. Allez, il reste qui, là? Le clone de Goku. Ok, let's go. Allez, on va charger un petit peu. Ok, on va voir si on peut faire l'attaque ultime. Oh, nice. Oh, c'est c'est sacrifice de Chaozu. Oh, c'est stylé. C'est classe. Chaozu, on va te venger, mon poteau. T'inquiète pas. Mais qui est parti en couille. Oh là, ouais. Il me voit plus, pardon. Ouais, c'est un peu mieux. Yes, I. Putain, j'ai même pas fait exprès, j'ai appelé Yamcha. KO, ça fait plaisir. Bon. Eh bien, voilà. Ok, donc Bou est disponible, ça fait plaisir. On va pouvoir se mettre aussi dans l'équipe. On va faire ça après. お前たち、俺を助けてくれたのか？でも、あれ、なんだか体がうまく動かないぞ。それは、妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。というわけなの。わかった？OK, très bien, super. Ça, c'est bien vous, ça. Elle est pas contente, Bulma. Elle doit se répéter. C'est quoi cette blague? Faut même pas être clair avec Bou, ça sert à rien de lui expliquer. C'est... Tu dis juste, il y a un méchant. Tu les bats, gâteau, t'auras des gâteaux. Goku, il se fait pas chier, tu sais. Bon, eh bien, allié sauvé, ça fait plaisir. Et ma Bulma va devoir préparer des bons puddings pour notre fameux boubou.
Donc, on va aller sur le Majin du coup. Mais d'abord, on va devoir passer par Tenshinhan. Je pense pas qu'on va aller sur Krillin ni sur Piccolo. Non, on va peut-être éviter. On va pas aller sur Piccolo. On va plus passer par Tenshinhan, le didacticiel. Ouais. Donc, c'est parti. On va sur Tenshinhan. Et je pense qu'après on ira sur Bou pour faire pour voir ce que ça va donner, parce que ce qui paraît on a pas mal de récompenses, et on ira directement défier le boss juste après Cell.自分と同じ戦い方をするのであれば、俺の弱点も知ることができる。お前を倒した時、俺は今の自分を超えたということになるのだからな。俺が武道家として一段上に行くために、お前には踏み台になってもらうぞ。さあ、どこからでもかかってこい。 Les voix japonaises, franchement, je les trouve plutôt classe. Surtout sur Tenshinhan, je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé la voix japonaise de Tenshinhan. Je la trouve badass, je la trouve stylée. Franchement, je la trouve stylée. Bon, allez, c'est parti du coup contre les clones Nappa. Ah, il y a Nappa cette fois-ci, j'avais pas vu ça. C'est la première fois qu'on va se taper contre Nappa. Enfin, le clone de Nappa, du coup. Allez, c'est parti, let's go. Bon, là, on s'en bat les couilles, il y a du didacticiel. On va... On veut du combat, on veut juste du combat. Allez, let's go. Voilà, eh. Par contre, si je tape dans le vide, ça va pas trop le faire. Hein. Allez. Oui, nice. Hop. Tenshinhan contre Tenshinhan, mon pote. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oh là 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 là. La petite spéciale qui est passée. Ok, Nappa. On va te déchirer, Nappa. Je te le dis, mon pote. On va te déchirer. Ah, c'est quoi ça? What? Bon, écoutez. C'est pas grave. Allez, let's go. Oh oui. Franchement, Tenshinhan, il est plaisant, hein, les potes. Je suis pas au mytho. Bon, par contre, là, j'aurais peut-être préféré que ça passe, quoi, la petite spéciale, mais bon. C'est pas que j'étais un peu trop haut, mais quand même. Là, cette fois-ci, ça devrait passer. Oui, c'est passé. Allez. Let's go. Nice. Le petit kick qui est passé. Ok, Captain Ginyu. Hop, on va changer de perso, hein. Alors, on va mettre au repos notre petit Tenshinhan. Par contre, ouais. Si je tape dans le vide, ça va pas trop le faire, quoi. Allez, viens là. Yes, aïe. Ça, c'est mieux, ça. Beaucoup mieux, ça, Yamcha. Allez, viens là, toi. Yes. Oh, c'est stylé, ça. Ça, c'est quand je fais rond. Très bien. Allez, hop. Oh là là. Bon, j'essaie de trouver quelques trucs, hein. C'est pour ça des fois si vous voyez un peu galérer, c'est un peu normal, hein. Parce que c'est vrai que, en fait, vous avez les combos de base, enfin les combos, de base, et en fait, vous pouvez aussi trouver des combos à ce qui paraît, donc c'est pour ça, j'essaie 2-3 trucs, mais bon. Je pense que j'irai plutôt en mode entraînement quand c'est comme ça. Ok, donc, du coup, on va aller directement se diriger sur Majin Buu, sans plus attendre, let's go. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ok, c'est parti contre le clone de Kid Buu du coup. Il semblerait qu'on va gagner plus d'XP, plus de tout en fait, du coup. Pour, si on bat ce fameux clone, et ben c'est ce qu'on va faire les potos, c'est ce qu'on va faire. Ok, pas de cinématique, c'est parti Kid Buu, on va déchirer mon poteau. Et tu vas voir que l'XP sera pour Bibi, les zénith sera pour Bibi aussi. Eh ouais mon pote, allez Goku, fais-moi plaisir. Merde. Allez, tape-le. Non, mais moi, c'est normal, des fois, je tape dans le vide. On va dire qu'il est tard, c'est pour ça. C'est vrai que quand je tourne l'épisode, il est pas si tôt que ça, hein, n'empêche. Je suis pas au mytho. Allez, let's go. Oh oui, ça s'est passé. On l'a appris, ça, dans l'ancien épisode, cette fameuse technique. Grâce au didacticiel, d'ailleurs. Ouais, c'est pas si inutile que ça, des fois. Mais bon, j'en avais pas trop besoin, perso. Après, c'est pas pour faire le mec, quoi. Mais bon. Le petit caméra qui est passé, KO, ça fait plaisir. Donc du coup, on a gagné un trophée, bonus de récompense de niveau 1, je sais pas quoi, et là on a eu, ok, niveau supérieur, ok, bonus du KO, ok, bon,
Bah, je pense, je suppose qu'on a gagné pas mal de choses d'ailleurs. Ok, donc là cette fois-ci on va s'attaquer directement au boss. Technique de joueur. Mais ça je comprends pas parce que j'en ai aucune. Et technique de l'ennemi lui il en a. Donc est-ce que je peux en mettre moi des trucs comme ça? Attendez, je vais regarder un peu. Ah, technique de joueur. Ah, très bien. On peut mettre des techniques disponibles. Ah, là j'ai un truc là. Qu'est-ce que c'est? Défense. Ah là j'ai un deuxième truc, remplisse assist machin, augmente le taux de remplissage de jeu d'assistance, ok. Ah la récupération de santé, victoire. Augmente la santé, récupère après une victoire. Ok, voilà, comme ça c'est fait, on aura mis les 3. Et puis bah sans plus attendre, allez on est parti pour le combat contre Cell, let's go. Allez, c'est parti contre Cell, les amis. Le boss, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et le capitaine Ginyu et le clone de Nappa. Et je suis étonné parce qu'il n'y a même pas eu de cinématique alors que c'est le boss, quoi. Il y en aura sûrement une après, je pense, sans doute. Allez, viens par ici, mon petit Cell. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai mis, du coup, bien évidemment, les... comment? Bah, les petits trucs en plus, là, comme vous avez pu voir. Les petites techniques. Ok, renverse la vapeur. C'est bon, ça c'est fait. C'était R1-R2. Hop, effectue une annulation de garde. Flèche de droite et l'un. Vas-y, fais-le. Ouais, fais-le. Allez. Putain. Bon, tant pis. Allez, c'est bon. Me fais pas chier. On s'en fout. On lui défonce la gueule et puis c'est tout. Hop. Allez. Le petit Tenchinan là. Maintenant, ça va pas marcher. Hein. Bon. Je sais pas pourquoi, vas-y. Tant pis, on va laisser tomber, j'ai réussi une deuxième fois, mais bon, c'est pas pour autant que ça marche. Hop, on va lui péter la gueule et puis c'est tout. Ah bah, j'ai quand loupé l'attaque ultime de Tenchinan d'ailleurs. Tant pis. Todompo, ça s'est passé. Ah là, 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 elle passe là. Oui, KO, ça se fait plaisir. Allez, viens par ici, mon petit Cell, je vais te régler ton compte. Allez, go, avec Goku. Oh là là. Il est plaisant, franchement je vais peut-être me répéter les amis, mais c'est plaisant, regardez-moi cette attaque ultime en Super Saiyan 3, le Goku. Franchement le jeu il est plaisant, c'est un truc de malade. Après de base je suis pas vraiment personnellement un gars qui joue au jeu de combat. Je veux dire, dans mon enfance j'ai bien joué à Tekken, j'ai joué Street Fighter, Injustice bien sûr. Mais genre par exemple j'avais Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Z Budokai 1, 2 et 3. Mais quand j'étais petit, j'étais plus Budokai Tenkaichi. Donc, enfin voilà. Donc, 2D, j'ai pas trop joué. Mais franchement, même si je kiffais, hein, comme les Budokai, je jouais au Mito. Je préférais quand même les Tenkaichi. Mais celui-là, il est tellement plaisant. C'est un délire. J'aimais bien quand même hein, la 2D. Et là, en plus, c'est 2D,5. Le jeu, franchement, il est magnifique. Il est magnifique, plutôt. Bon. Trêve de blabla, on va en mettre fin avec Nappa. Hé, hey, je suis dérive en plus, hein. Allez, viens là. Putain, mais... Viens là, je t'ai dit. Allez, le petit combo. Allez, allez, let's go. Yes. Ça passe toujours quand tu fais rond, là, le petit coup de pied comme ça de Goku. En plus, c'est vachement stylé. Destruction. Ok, donc là, on a encore gagné une récompense. Et pas mal de niveaux, je suppose. Oui, bah, ça fait plaisir, les amis.